Et on se retrouve sur Portal 2, bonjour à tous, avec ces turbines qui tournent, pardon. J'ai ma souris qui accroche un petit peu, je sais pas pourquoi. Et hop, un petit écran de chargement, j'avoue, j'aurais pu le sauter pour commencer l'épisode. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Quand on va avoir droit à ce coup-ci. Ah, ça a changé. Please remain calm. Bah oui. Salut. Ah, pourquoi les arbres ont... Ah oui, non, c'est juste quand ils sortent. Oui, je vais essayer d'être calme. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Merci. C'est gentil. Alors, donc là, attention la tête. Ouais, ça on l'avait vu. Je peux pas... Ok, le cube est là. Ah bah oui, il suffit juste de tomber. Voilà. Et maintenant, faut l'amener là-bas. Non! Prends-moi mon cube. Voilà. Et je suppose que on peut se la jouer comme ça. Voilà. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec vous. Sympathique. Je crois pas que je suis un employé. Pas toi, salopio. Ouh, ah oui, ça s'est ouvert. Ah, ça y est, elle est tombée. Ok. On reconnaît plus trop les salles, hein. Honnêtement, ça a un petit peu changé. C'est pas plus mal. Oui, donc. Lâcher le bloc où il faut. Et. C'est là qu'il faut que je tombe, ouais. Aïe. Mais avant, il faudrait que je casse ça. Sauf si on peut passer par là. Oui. Merci de la flèche, c'était pas assez obvious. Ok, ça s'est ouvert et maintenant il faut apparaître là-haut. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, je suis pas mieux. Gagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Si on arrivait là, c'est qu'on n'est pas primitif. Ah. Please remain calm. T'inquiète pas, on reste calme. Y'a pas un mec de Black Mesa dans le coin? Pourrait m'aider. Ah! Et non, là on va peut-être rester un petit peu moins câble. Calme. Toutes les mesures. Ah merde, j'ai pas vu le. Ils ont écrit quelque chose, j'ai pas eu le temps de le lire. J'espère que vous l'avez lu. Putain, c'est vraiment. Quand il disait 9-9-9-9-9 au début, c'est qu'on a dormi vraiment pendant très 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 longtemps, vu l'état du centre. Yukaidi, Yukaida, je suis là. Coucou. Ah, t'es là. Formidable. Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail. Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Me voilà. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors,
Tenez-vous prête à me rattraper, au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va ? Un. Vas-y. Deux. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non ? Enfin... Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Un. Chopez-moi ! Ah ! Ah ! Je suis pas mort. Coucou. Pas mort ! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être scié. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? Non. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Wow. Ah bah c'est moi, on part et c'est parti. Regardez ! Merci bien. Je suis le tributaire du diktat du rail. Ah, c'est formidable. On peut aller où on veut. Je peux te lâcher n'importe où ? Attendez, attendez que je me repère, il faut que... qu'on suive le rail. Bravo, bien joué. Ah c'est dommage, du coup on a plus la vue avec lui dans les mains, c'est pas grave. Oh oh, ça j'aime pas ça. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va, c'est gentil. Avancez, avancez. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a des cubes partout. Genre t'es pas comme les autres, les tourelles sont toutes les mêmes. Ah là c'est des portes différentes, on a l'impression d'être sorti de la zone de test justement. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez ? GLaDOS ! Et si jamais elle est en vie, bah elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Ah, choix mais A, oui, rester tranquille on s'est ici. Retrouvé là. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Ok, non mais elle est morte, je l'ai butée. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas, elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. Ouais, je pense beaucoup qu'elle est vivante. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Bah oui, c'est moi. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé, et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Et où est-ce qu'on va maintenant ? On va se balader un peu. Ah, l'incinérateur. Je peux pas te lâcher dedans ? Ah. Est-ce que ça serait le scientifique fou qui aurait écrit quelques signes ? Descendez cet escalier. Sautez ! En fait, à bien y regarder, ça fait loin, non ? Vous voulez mon avis ? Sautez. Vous... Ça passe ! Ça Boom. Passe ! Formidable ! Vous m'avez agrippé, tout va bien. Rudement bien, même. Tiens, je te laisse... Ah non, je peux plus le lâcher ! Merde, je vais le laisser dans le coin. Oh non, pauvre Wesley. On voit pas grand-chose, par ici c'est un peu sombre. Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah, j'ai recommencé. Quoi ? Ah oui, ça a l'air profond. Ouh, on va s'enfoncer dans les profondeurs. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Oh oui. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Bon bah on touche au Vous le voyez quelque part ? Parce que moi pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Ouais tu vas tous les activer oui. Que la lumière soit. Dixit Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Allez, désactive les tous. Je maîtrise, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est Ah, voilà. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Oh, il y a GLaDOS qui se reconstruit. Il y a un mot de passe. Pas grave.
Je peux le hacker. Non. Bah bravo, on a réactivé GLaDOS. C'est. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche. Non. Alors, c'est pas bon pour craquer. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour. Tiens, c'est vous. Ah, vous ça y est, maintenant c'est GLaDOS. Il y a longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. C'est toi le monstre. Donc en fait, l'autre, c'était pas GLaDOS. Si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Sympatoche. Ah, effectivement, là, la voix de GLaDOS, c'est bien GLaDOS, mais un petit peu mieux. Oui, on tombe, mais on a nos mégabots, ça devrait le faire. Est-ce qu'il faut que je m'oriente? Non, je peux rien faire. Ouf. Boum. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests. Comme au bon vieux temps. Ok, c'est mal barré cette histoire. Ah, ça va, ça s'ouvre. Pourquoi je vois des tubes qui passent à fond la caisse? Hop là. Le voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Évidemment qu'il y a toujours un moyen. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. On va plus parler, zut alors. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai? Il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. 60 ans? Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Ouais. C'est quoi tous ces petits trucs là qui bougent tout seul? C'est tout cassé par ici, hein? Ton centre, il est tout cacaboudin. Ah, salle 19 déjà! Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. C'est cela, après oui. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Tu peux toujours crever! Ah bah merci, Weasley. Weasley, je sais pas comment on dit. Non, Weasley, c'est dans Harry Potter. Démarrage à froid. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Bah, il meurt. Ah, il y a 22 salles ce coup-ci. Plus la suite, je suppose. Oh oh, le laser est là. Ok.
Ça va, c'est la même chose. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Oh putain, c'est dégueulasse. Sympa le laser. Bzzz. Ouais, fire. Hop là, salle suivante. Ça va être comme dans le 1, les 21 premières salles vont être rapides, et puis la 22ème, ça va être autre chose. Il est plus long celui-là, il est plus long. Oui. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Voilà. Oh tiens, je me demande si... C'est bien, ça permet de... Ah bah voilà. Hop là. Oh oh, ça c'est flippant. Oh, pourquoi tu bouges en rouge? Tu me fais peur. Où sont les cubes? Ils sont là. Ah, c'est toi Wesley. Putain, il est... Ah, c'est des nouveaux cubes ça. Ils sont différents. On se demande s'il faut pas... mettre des... je sais pas trop quoi dessus. Ah non, il faut les mettre là peut-être. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais pouvoir en récupérer un? Je pense pas. Si on appuie sur là. Ok. Non. Est-ce que c'est là qu'il faut le mettre? Non plus. J'avais pas tort alors. Sauf s'il faut le mettre dans le laser. Ah yes. Donc... Voilà, c'est un peu plus tordu maintenant. J'aime bien. Ok, il me faut autre chose. Il va m'en falloir un, je pense. Hop. Ah bah non, ça me le volatilise. Merde. C'est autre chose qu'il me faut alors. Ah bah je suis con, il va falloir que je le récupère. C'est aussi simple que ça. Et on doit pouvoir... Est-ce que ça pèse ça? Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Merci. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Genre je suis affreux. Ah c'est toujours la même chose, on se fait griller par un laser, c'est sympathique. Mais non, je suis gentil. Je peux encore te casser la gueule, mais je suis gentil. Ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Genre... C'est peut-être toi ta mère. Ah, ça serait bien la fin qu'ils finissent avec GLaDOS. Je suis ta mère. Ok, il y a tout qui s'active. Bah... Pourquoi tu veux pas sauter dedans? Ah quand même. Voilà, ça c'est bon.
Et le deuxième... Oh, plus complexe le deuxième. Où est le deuxième cube? Par là-bas, je suppose. Ah, qu'est-ce qu'on a par ici? Sucker's luck. What? Exil, trop de variables. Oh, les bonnes canettes, c'est bon. Don't even try. Est-ce que je peux me servir de ça? Où est le deuxième cube? Il doit être bien quelque part. Dégage toi. Qu'est-ce qu'on a par là? Rien. Ah ah. Soit je suis aveugle, soit... En fait, j'ai du mal à voir comment on peut alimenter celui-là. Bon, on va essayer de récupérer au pire notre premier cube. Ah, sauf si on peut aller là, non plus. Peut-être aller là-haut, non plus. Parce que celui-là, pour l'activer... Ah, mais si, je suis con. Yes, j'avais pas du tout pensé à ça. Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable, au mépris des probabilités. Genre, dis que je suis grosse aussi, ouais. Ah. Bah, deux salles de plus? Deux? Trois? Je sais laquelle. Je me souviens plus. Ah, keep calme encore. Un instant. Ah non, là c'est... Le tapis vous rouge. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Et déjà détruit le centre. C'est déjà cassé, regarde-moi ça. Ta 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 ta. Ooh yeah. Alors. Hop. Ah merde. Ah oui non, ça l'active. Ok. Il reste fixe après. Ta-ta-da. Ok. On va le mettre là-dessus. Question c'est comment je vais aller là-bas après. Merde. Fuck. C'était pas un bon plan. Faut que je l'amène là-bas après. Mais comment l'amener là-bas? En ayant tiré là. Je peux pas prendre d'élan. Tourner là-bas. Ah, le portail est toujours là-bas. Il suffit de faire ça. Ok. On va s'en sortir. On va attendre qu'il revienne. Laisse-moi passer. Vous m'avez écouté. J'en suis très heureuse. Mais à titre d'information... Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Putain, t'es plus vache qu'au début, hein, Gados. Bon, bah sur cet ascenseur, avec plein d'objets qui tombent, on arrive à nos petites 25 minutes. Avant d'aller à la salle suivante, je vous dis à la prochaine, ça a toujours pas changé, ça. Ouais, je vous dis comme le petit mec, là. Attendez, on va attendre qu'il repasse un coup. Au revoir. Tchou tchou tchou.